Hello tout le monde, c'est T6 Maker. Alors je suis très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est une vidéo du GTA 5 Online. Et dans cette vidéo, en fait, je vais faire une série, d'affrontements, voilà, tout simplement. Donc en espérant que la session se lance, comme on avait prévu. Donc là, vous voyez, on est plein. Et ça c'est bien. Donc voilà, on va patienter un petit peu. Alors, tant que j'y suis, n'hésitez pas à mettre un petit like à cette vidéo. Hein. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et puis voilà. Donc on va voir comment est cet affrontement. Apparemment, elle n'est pas très très dure puisqu'on peut la commencer au niveau 1. Et soi-disant qu'on gagne 5000 et on gagne pas mal d'RP et pas mal de dollars. Mais je ne sais pas si c'est vrai. À voir. Bon, la session a du mal à se lancer. Il y a un problème. Le problème, c'est qu'il y a la radio et que j'ai pas pensé à l'enlever. Donc, j'aimerais que la session se lance le plus rapidement possible. Possible ou pas? Oh, eh ben, et voilà. Expulsé, les bugs de GTA, ça c'est GTA, faut pas chercher. Quand on est blindé, quand il y a plein de monde, ben on peut pas, voilà, ça c'est GTA, ça c'est vraiment très très énervant, parce que voilà, ils font un jeu très cher, qui est cette personne. What manga? Ça, apparemment c'est un anglophone. Reçu. Si c'est une invitation, je ne pourrais pas l'accepter, puisque je ne peux plus accepter. Attends, hop. Ou sinon, s'il m'envoie une invitation, je vais le renvoyer une invitation. Ah! Merci beaucoup. Je sais pas s'il regardera cette vidéo, mais au moins il sera dans la vidéo. Allez, hop! Tac tac. Merci beaucoup, monsieur. Hop là, reçu. C'est bon, ok. Allez, on va y aller, on va commencer. Donc, comment trouvez-vous mon personnage, hein? Il est beau, hein. Enfin, vous voyez, hop. Tac, tac, on est là, on est d'accord. Et on va rejoindre une autre affrontement. Je vous dis, ça va être normalement une série d'affrontements. Après, si c'est pas ça, je mettrai pas en titre série d'affrontements. Je vais voir. Je vais voir sur le tas. Donc cette moto n'est pas géniale. Hein. On peut, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire pas mal de cascades sans tomber. Et ça, c'est vraiment bien. Oh, 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 alors ça c'est ce que j'appelle un affrontement hyper cool. Allez, enlève la radio. Merci beaucoup. Non. Oh putain, j'ai oublié de muter. On n'y pense pas tout le temps, en fait. Il y a le problème. Et j'espère que la session va se lancer rapidement. Par contre, si je me fais exclure encore, hein, là, je n'aurai pas de chance du tout. Donc, est-ce que je vais être exclu? Apparemment, non. Donc là, je connais apparemment personne. Hein, hop là. On va changer. Hein, je vais mettre... Allez, une petite danse du ventre. Ils sont combien dans votre équipe? 1, 2, 3, 1, 2. Oh, voilà, à chaque fois, c'est tout le temps pareil. Je suis dans une équipe où il y a moins de monde que dans notre équipe. Là, ils sont quand même 5. Et là, on n'est que 4. À chaque fois, c'est pareil. Bon, allez, on va essayer de gagner. C'est vraiment un bon affrontement. Là, j'aime bien celui-là. C'est comme une baston de zonzon, sauf que c'est en hauteur. Et sauf qu'il n'y a pas d'armes, apparemment. Non! Merde! Bah
Le mec, comment il tombe quand même, c'est. Normalement, il meurt pendant la chute. Bah, allez, on va essayer d'être le joueur dominant. Hein, c'est un petit défi que je me donne. Hop là. Viens. Tiens. 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 Au revoir. Allez! Par terre. Attends-toi. Mais tu as fait pousser toi. Au revoir! Non! Hé! Vous avez vu? Il était censé tomber. Et du coup, il est resté en haut. Regardez comment il tombe. Regardez! C'est quand même incroyable. Allez, toi. J'ai fait qu'un kill. Non, 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 tombe pas, parce que ça serait la prochaine. Oui. Au revoir. Sans blague, on tue des gens encore à corps. Mais tu vas taper. Je me casse bien la gueule. Oh, il a fait des retournantes là, moi. Mon petit personnage. Là, là. Au revoir. Alors, quand même, les glitchs, s'il te plaît, madame. Voilà. Oh, les coups que je me suis reçus. J'ai l'impression que ça allait faire du 3 de gauche, 3 de gauche. Je rêve où il n'y a même pas de vie. Enfin, de. Mais tu. Bon, je vais sauter. Merde. Allez. J'ai envie d'être le joueur dominant, mais là je crois que c'est raté. Je crois que je suis même troisième ou. Ah non, je suis deuxième. Allez. Tiens, salope. Voilà. Ça c'est pour ce que. Voilà. Toi, je sais pas pourquoi. Je sais même pas où tu tapes. Mais t'arrêtes de me frapper. Je... Mais je peux même pas me défendre. Il me donne un coup et je reçois moins 5 coups, quoi. Lui, je sens que je vais le signaler. Oui, je sais, je fais qu'il y a eu des gens qui tombaient là, ça. Allez, on est en train d'être gagné, notre équipe. Mais t'arrêtes? Mais putain, arrête là! T'es glitcheur de merde. Allez, tu sais quoi? Je vais signaler toute l'équipe. Toute leur équipe. Hop là. Oui, je signale tout le temps les gens. Oui, non, mais les glitcheurs commencent sincèrement à me. C'est lui. À m'énerver vraiment, donc signaler exploitation de bug, etc. Et voilà, comme ça, peut-être qu'il va comprendre. Ouais, même elle a glitch. Et voilà, ouh, ah, Superman! Et un petit défi, c'est peut-être atterrir dans la fontaine. Ça serait, c'est nul. Je me suis fait de suite jardin à côté du coup. Il y a un grand décalage là. Mais je peux même pas me défendre, elle me donne gavé de coups. Ah, c'est qui ça? Ok. Masse. Ok, d'accord, pas de soucis. Tu veux jouer la glitcheuse? Y'a pas de. Non, je peux pas signaler encore quelqu'un. Celle-là. Comment elle s'est cassée la gueule. Mais pourquoi tu. Au revoir. Aïe aïe aïe. Il y a un décalage au moins de. C'est incroyable le décalage qu'il y a. Allez, soyons. Soyons forts. Mais il se casse tout le temps la gueule, hein. Il y en a une qui s'abuse et tous les coups que je me reçois. Et tous les glitchers qu'il peut y avoir. Donc là, mais en fait, l'autre équipe, il n'y a que des glitchers dans l'autre équipe. Parce que regardez, nous, quand on donne un coup à quelqu'un,
il se reçoit pas, voilà. Tu vois, il me donne un coup et je reçois d'autres coups à la fois, donc voilà. Donc, et moi, quand je les tape, les autres, quand ils les tapent, ils ne se reçoivent pas plusieurs coups. C'est-à-dire, si je leur mets un coup, ils ne reçoivent pas 50 000 points, alors que je leur en mets qu'un. Voilà, donc l'autre équipe, ben, c'est des gros glitchers. Il y en a qui doit faire partie du crew de base 100K. Ça m'étonnerait pas. Ah oui, ça c'est sûr. Base 100K, ouais, c'est ça. Ils font partie du crew de base 100K, enfin des fans de base 100K, où il y a des trucs. Mais en tout cas, s'ils font pas partie d'un crew sain, on va dire. Ils font partie d'un crew de glitcher. Bonjour, ah non, j'ai cru que t'étais un méchant. Voilà, te casse pas la gueule, mais bon, même si c'est déjà fait. D'accord. Vous voyez, elle tape. Vous voyez, je m'en sors quand même des coups. Et je reste. Allez, c'est bon. Je vais quitter cet affrontement. Il n'y a que des glitchers. Hein. Vraiment, c'est incroyable. Dans notre équipe, toutes les autres équipes, ben, c'est des gros, gros glitchers. C'est surtout elle, là. Et je reçois des coups alors qu'elle est tombée. Sais quoi, je vais me barrer. Au revoir! Je déteste les glitchers, mais incroyablement. Je vais juste couper son. Voilà, comme ça, je vais pas entendre le décalage. J'aime pas entendre. Je suis bien tombé. Moi, je comprends pas de me recevoir des coups hyper. Regardez, je me reçois des coups. D'accord, je suis à peine tombé, je me reçois encore des coups. En fait, voilà, là, j'avais. Il y a des glitchers aussi, il y a des cheaters. Mais moi je suis avec des gros, mais alors des gros cheaters. Je déteste ça à un point, vous pouvez vous imaginer. Je ferai, si vous voulez un coup de gueule, dites-moi si vous voulez sur les glitchers. Je sais qu'il y a un abonné qui m'a proposé. Donc quoi, je suis très. Alors je tiens à emmerder. Merde, putain. Mais putain, je peux même pas le taper, c'est. Voilà, du coup c'est toi qui t'es cassé la gueule. C'est quoi ces glitchers, sérieux? Je suis avec que des glitchers. J'ai que ça dans mon équipe. Oui, donc j'emmerde tous ceux qui disent que je recopie Monsieur Coty. Voilà, tout simplement, tout le monde fait des vidéos. Enfin, tout le monde. Des vidéos de GTA sans re. Ok. Des vidéos. Faire des vidéos de GTA sans recopier les autres, c'est assez compliqué. Et donc je me suis fait donc accuser de ça pour la vidéo de Baston Zonzon. Mais en même temps, voilà, hein, si je dois plus. En fait, déjà quand j'ai fait la baston zonzon, je venais d'avoir mon HDP vert, si vous voulez. Et puis, attends, je vais me barrer et j'ai pas envie de me faire tuer par cette glitcheuse là. Oh, vous avez vu comment j'ai. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc quand j'ai fait la baston zonzon, je venais d'avoir mon HDP vert. Et là, je voulais de suite l'utiliser, donc j'ai fait deux vidéos. Et puis voilà, donc j'avais pas du tout d'imagination, donc je me m'embêtais pas trop. Je me suis dit, attends, pourquoi pas faire une baston zonzon comme Monsieur Coty? Pour la... Non, c'est vraiment parce que je. C'était vraiment pour tester mon HDPR et puis j'ai vu que la vidéo finale elle était pas mal. Donc du coup je l'ai mise en ligne. Hein. Au départ je voulais pas la mettre en ligne, c'était juste pour tester le son et tout. Puis après je me suis dit que c'était bon. Tout simplement. Puis j'ai pas à me justifier sur des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que souvent il y a des gens qui disent que. Pareil, si je fais des vidéos par exemple. Eh non, tu m'auras pas. si je fais des vidéos par exemple des tutos pour personnaliser son PC, forcément on va me dire tu copies Dixor ou tu copies Xiaomi. Voilà. À un moment donné, faut dire stop parce qu'en général les gens comme ça qui accusent, qui crient au plagiat, je vais dire
Bah, ils ne savent pas de quoi ils parlent puisqu'ils n'ont même pas de vidéo. Ils se sont créés une chaîne juste pour commenter, s'abonner, liker, disliker les vidéos. Après, c'est leur problème, ça je m'en fous. Enfin voilà, les gens en général qui font ça. On crée leur chaîne que pour ça, mais aucune vidéo. Voilà. Non, toi, tu es une glitcheuse, toi, madame. T'es pas quelqu'un qui joue. T'es quelqu'un qui glitch. C'est pas pareil. Alors non, j'aime pas. J'aime pas parce que j'étais qu'avec des glitchers et je déteste ça. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, à un moment donné, si je fais par exemple des tutos pour personnaliser son PC, Dxor l'a fait, donc forcément je vais copier sur lui, hein. C'est normal. Avant Dxor, il y avait un autre youtubeur qui avait fait personnaliser son PC. Et c'est pas pour ça qu'on lui a dit, mais tu copies sur tel, tu copies sur tel, parce que cette personne a fait le même tuto que toi, etc., etc. Hein, parce que la personne qui a fait le tuto n'était pas connue, alors que Dxor est assez connu. Et donc voilà, il suffit que moi je fasse ce tutoriel pour que je m'en prenne plein la gueule. Tu plagies Dxor, plagiat Dxor. En général, c'est des kikous. Ils disent ça, hein, des gens qui ne savent pas du tout de quoi ils parlent, parce qu'ils n'ont fait aucune vidéo pour savoir que c'est très dur à ne pas recopier les gens, à essayer de faire un bon truc pour ne pas recopier. Donc c'est dur. Si par exemple je dois utiliser un logiciel, je ne vais pas pouvoir transformer le logiciel pour pas recopier sur Monsieur Coty. Pour des personnes qui sont complètement cons, hein, qui ne savent rien faire, voilà, qui ne connaissent rien de YouTube, tout simplement. Donc voilà. Alors, hop, et oui, donc je me suis accusé de plagiat aussi pour la vidéo de Bastien Zonzon. Bon, ça, j'avoue que pour Bastien Zonzon, je me suis pas trop foulé pour l'idée, hein. Mais voilà, moi j'ai porté un masque de cochon et j'en remporterai parce que tout simplement, je suis dans un crew Coty fan. Dans un crew, c'est-à-dire quelqu'un créé pour Monsieur Coty. Enfin voilà, Monsieur Coty n'est pas dans le crew, mais bon. Et c'est normal que je porte un masque, c'est pour. Je suis dans un crew. Qui est de monsieur, enfin, qui, voilà, vous avez compris. Donc, je vais pas porter un masque, enfin, voilà, je porte, bah, de temps en temps, je porte un masque de cochon. Ça vous plaise ou pas, je continuerai à en porter. Et puis, voilà, tout simplement. Alors, on va, dis-moi ce que vous pensez de ma voiture que je viens de voler. Je connais pas cette émission, là. Bon, allez, on va faire un autre affrontement. On en a combien de minutes? On en est à 17 minutes déjà. Waouh, ça passe trop vite. Allez, un tout dernier affrontement. Et s'il n'y en a pas, ben on va se promener un petit peu, hein. Mais pourquoi il n'aurait pas, j'ai envie de vous dire, hein. On va essayer de tout faire bien. On va pas. Il y a des kikous qui parlent. Oh putain, désolé pour votre tête. Bouchez-vous les oreilles. Vous faites quelque chose. Juste désactivez vite cette radio. Allez, taisez-vous, mais taisez-vous. Désolé pour vos oreilles. Hey Chance, I think it's time to start. Oh, je suis vraiment désolé. Yeah, it is. Hey. En plus, ces gens parlent avec des voix hyper fortes. En général, voilà, ils ont une voix, voilà. Ou sinon, c'est des kikous qui vont, hey! Voilà. Ou sinon, il y en a qui vont mettre la musique à fond du jeu, bien sûr. Bon, oui, ils m'ont l'air nul, hein. Bon, allez, je suis prêt. Je suis prêt. Allez, on va faire un petit denton craquage, voilà. C'est un problème, tu viens me parler, c'est clair. Voilà. Je sais pas, j'ai pas retenu les minutes qu'il a fait. On va voir comment est ce baston. Elle m'a l'air assez cool. Je crois que je vais changer. Oh, d'accord, donc c'est avec les points. Encore, hein. D'accord, j'ai juste commencé, mais j'ai même pas donné un coup, j'ai pas pu donner un seul coup. Voilà. Donc. Je crois qu'il va tuer mon pote aussi, qui est là-bas. Voilà, il a tué. Maintenant, il y a deux deux. Oui. Voilà!
D'accord, toi tu m'as... Tu t'es pas fait chier, hein. Tiens, pour la peine, je te fais un petit... Attends, allez, viens toi. Ah d'accord, ils sont deux. Je vais juste aller vers là-bas. Puisqu'ils sont un petit peu trop pour moi. Je vais essayer de tuer mes amis là. Et je vais tuer... Allez. Ah non, lui aussi, il se reçoit. Allez, faudrait que la vidéo dure environ 30 minutes. Ça suffira largement. En espérant qu'il n'ait pas mis 15 minutes ou 20 minutes, parce que là, ça va être trop long. J'essaierai de censurer des chaînes. C'est quoi ça, sérieux? Je m'en sois énormément de coups alors qu'il me donne qu'un coup à chaque fois et moi je peux même pas taper. Bon. Alors pour ce, je vais répéter cette vidéo parce qu'on m'a encore critiqué là-dessus. C'est pareil, hein, c'est toujours pareil, les gens ne savent pas de quoi ils parlent. D'accord, je lui ai donné qu'un coup, il est mort. Bon. Allez, faudrait qu'on augmente. Viens là. D'accord. J'ai tué deux personnes au corps à corps. Toi là-bas, je te tue. Je prends des sous quand même. Oh, je voulais le terminer là. C'est pas vrai. Allez, viens à toi. Cours pas, mais toi, je vois pas pourquoi tu tapes à 10 mètres de lui alors que. Ah, d'accord, ils vont voir ses copains. Et pourquoi? Non, non, non. Ne vous en faites pas, je continuerai les tutos. Hein. Ne vous en faites pas, je vais pas faire que du GTA. Je vais aussi faire continuer les tutos, ça y a pas de souci, mais normalement. Tiens, coup de pied. Vas-y, attends. En fait, non. Au revoir. Il y a même pas de vie, on peut même pas récupérer de la vie. Allez, je t'en m'étonnerai que je l'ai. Mais c'est pas grave. Ah, je l'ai pas eu. Ça m'aurait étonné. Puis je trouve que ma vie, elle a un petit peu trop duré, quoi. Alors, on va essayer d'être. Non, non, je vais pas m'amuser à tout ce qui me regarde pas. Soit ceux qui trichent, ou soit c'est la partie qui est cheatée. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis c'est tout. J'ai envie de faire un Lucky Coup et de sauter de là. Dans l'eau. On peut sauter de là. Ouais. Non, non, j'ai pas dit maintenant. Tout à l'heure, j'aurais bien aimé que tu sautes. Et dans l'eau. Là parce que là, t'es sur la terre ferme. Petite tendouille. Alors attends. L'eau, elle est là-bas. S'il te plaît. Si tu ne sais pas où est l'eau, c'est grave.
Ah ben voilà, ils vont vouloir me tuer, ils vont... Voilà, et vous voyez? Je m'en sors des coups à 8000 mètres. Je suis hyper loin du mec. Non, non, soit c'est lui qui est cheaté, là. Attends, moi, quand je leur donne des coups à 10 mètres, ils ne reçoivent aucun coup. Donc, ils sont bien cheatés. Et voilà, donc... Voilà. Voilà. Non mais... Eh non. Au revoir. Ayo. Comment il s'est cassé la gueule. Il a fait Superman. Ah c'est bon, je suis dans l'eau. Yo, vous êtes prêts? Et ça qui s'ouvre, imaginez. Je suis en train de truquer, il s'ouvre. Il s'ouvre le ventre ou la gorge, je sais pas. Je suis dans l'eau, venez mes petits poulets. Oh, ce serait bien de faire la baston dans l'eau. Eh oh, je suis ici. Je suis en dessous du bang. Je suis en dessous du pont, les enfants. Venez. Eh oh. Je suis dans le pont. Enfin, je suis plutôt à côté. Je suis là. Eh oui. Venez, on se bat. Au point. Vas-y. Viens. Pff, on est perdants. Que 2750, c'est vraiment pas beaucoup, je trouve. Alors, hop. Hop, mode libre, tac. Non, le top fun, non merci. Bon écoutez, bah ce sera la fin de cette vidéo maintenant parce que ça fait 27 minutes. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, enfin un gros like à la vidéo. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, bon, bah, passez une bonne journée. Et puis allez manger au quick, allez goûter le nouveau sandwich, nouveau hamburger qui pique. Je sais comment il s'appelle, le Very Cheese Hot, un truc comme ça, je sais plus. C'est un long, hein, c'est long, c'est voilà, c'est normal. Il est exquis. J'ai écouté tout à l'heure et je le trouve génial. Bon bah allez, je vais arrêter de raconter.